êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez subi des violences conjugales. La première fois qu'il m'a foutu une claque, je lui dis, recommence jamais ça. Ça a duré 20 ans. Je vais porter plainte. Porter plainte? Mais tu veux pas qu'il aille en prison quand même? J'ai mal! Non, je t'en supplie, Tamara, ne détruis pas la famille, pense au petit. Pourquoi tu fais ça? C'est pas tant prendre la température, c'est surtout profiter de ce film et de ce temps avec le public pour parler des violences, pour en discuter, parce qu'on a plein de choses à se dire, il y a des questions parfois. Et puis même quand il n'y a pas de questions, nous on a des messages à passer en tant qu'association engagée sur ces sujets. Donc c'est pas tant prendre la température, c'est profiter de ces rares instants où on a la possibilité de parler des violences. Les violences, on se rend compte que quand on demande aux personnes de les définir, elles ne savent pas trop. Elles ne savent pas faire la différence entre violence et conflit. On a le droit d'être en conflit, par exemple. On a le droit de se prendre la tête avec son mari, avec son mec. On a le droit, à partir du moment où il y a une égalité, que personne n'a peur de l'autre, et puis que les deux s'expriment. Là où on peut commencer à parler de violence verbale, c'est quand c'est toujours la même personne qui... agresse verbalement l'autre et qu'il lui fait peur et que la personne ne répond pas parce qu'elle a peur des représailles, par exemple. Et donc, on se rend compte que c'est quand même important de rappeler ce que sont les violences, les définitions des violences, les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la santé, et puis surtout donner l'occasion au public de poser, de mieux comprendre. Parce que, justement, l'idée, c'est les engueulades, ça arrive, quoi. Et heureusement qu'on a le droit de s'engueuler et qu'on a le droit de pas être d'accord. Et on voit bien donc que c'est important de rappeler les choses. L'association Résonante, généralement, si vous tapez Résonante sur votre moteur de recherche, vous tombez sur notre association. Donc c'est l'association Résonante, R-E-S-O-A, je recommence, R-E-S-O-A. O-N-A-N-T-E-S. Il est un peu tard, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Mais c'est surtout, j'invite tout le monde à télécharger gratuitement l'application Appel. C'est une application qui permet donc d'enclencher des alertes d'appel à l'aide, de sécuriser des trajets ou d'enclencher des alertes lorsqu'on est en difficulté. Mais ça permet surtout d'entrer en contact avec les associations présentes sur notre territoire. Et ça permet aussi de s'informer sur nos différents droits, ce qu'on peut faire lorsqu'on est confronté à une situation de violence. Donc j'invite tout le monde à télécharger l'application Appel. Ça s'écrit A2P-E2LES.